Bonjour, bonjour les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Heureux de vous compter parmi nous ce matin. Dans les cafés de ce matin, un sujet très très important, un sujet d'actualité. Lorsqu'on se lance dans une compétition, c'est pour gagner, ce n'est pas pour perdre. Une fois la course engagée, notre objectif permanent, c'est la performance. Nous devons viser la performance en s'appuyant sur nos atouts principaux. Si on n'a pas d'atouts, il faut aller les chercher. Une compétition industrielle se joue principalement suivant deux axes. On a la compétitivité prix et la compétitivité innovation. Concernant la compétitivité innovation, vous devez être capable d'innover de manière permanente et sortir des produits nouveaux que vos concurrents ne peuvent pas facilement copier par la protection de vos droits de propriété industrielle. Dans la compétitivité prix, les savoir-faire industriels, les formules sont largement connues de tous. Dans ce cas, quels sont les leviers de création de valeur et de différenciation entre concurrents? Nous allons donc nous inspirer, dans ce cas, sur deux marques mondiales qui sont arrivées sur un même marché, dans une même catégorie et employant des stratégies similaires. Dans la catégorie des laits infantiles, on retrouve la marque commerciale Nestlé avec des produits de marque Nan, des produits de marque Nido, des produits de marque Gigos. Puis on a également la marque Bledina qui a des produits de marque Alma, de marque Nursi et de marque Nursi Confort. Ces deux produits que j'ai devant moi adressent une même catégorie de clients, les nourrissons de 6 à 12 mois, matérialisés sur le produit par le chiffre 2. Observez, on a le chiffre 2 là pour dire que ces produits concernent les nourrissons de 6 à 12 mois. Sur le marché local, dans les magasins de proximité, ce produit de marque Bledina coûte entre 2500 et 2800. Celui-ci de marque Nestlé coûte entre 2000 et 2100 francs CFA. Ce qui fait une différence maximale de 700 francs CFA entre ces deux produits qui utilisent principalement les mêmes matières premières. D'où vient donc cette différence de valeur entre ces deux produits? Si nous observons la liste des ingrédients, nous allons constater qu'il y a sensiblement les mêmes types d'ingrédients. Si nous observons le packaging, les matériaux d'emballage sont les mêmes. Si nous observons l'origine des produits, le produit de marque Nestlé vient du Mexique et le produit de marque Bledina vient de la France. À partir de là, nous pouvons comprendre beaucoup de choses. Mais ce n'est pas tout. Entre la France et le Mexique, quel est le pays qui est plus proche de l'Afrique? C'est bien évidemment la France. Donc, en termes de coût de transport de la marchandise, le produit de marque français peut revenir moins cher sur le marché africain par rapport au produit de marque Nestlé qui vient du Mexique. Mais sur le marché local, c'est le contraire. Le produit
français coûte plus cher que le produit de marque Nestlé qui vient du Mexique. Il y a donc principalement deux hypothèses que nous pouvons dégager sur la différence de valeur entre ces deux produits. La première hypothèse concerne l'origine des matières premières. Est-ce que Nestlé achète localement, c'est-à-dire au Mexique, ses matières premières ou bien importe? Si oui, quel pourcentage d'importation dans la production? J'ai cherché dans les documents officiels de la marque. Il se trouve que Nestlé fait des achats groupés de matières premières par l'intermédiaire de ses centrales d'achat. Et la marque Bledina fait des achats sur des achats des producteurs locaux. Donc, sur le marché, la marque Nestlé peut avoir des avantages sur le coût des matières premières. Une deuxième hypothèse. La deuxième hypothèse concerne le circuit de distribution. On a principalement trois canaux de distribution, à savoir la grande distribution, le e-commerce, le commerce de proximité, alimenté par des importateurs indépendants. Selon le canal de distribution, la valeur du produit peut considérablement changer. Chaque distributeur cherche à créer sa propre marge.